Salut, salut! Alors on se retrouve pour le 8e épisode de The Cave! Et donc bah on en était, voilà, on avait terminé la partie d'avant là, et on était, je pense, arrivé à la partie de la scientifique. I know what you're thinking. I've tried to keep the cave a nuclear-free zone, but I don't have control over the darkness that lurks in the hearts of those who venture down here. Worry not. Someone would have to do something pretty stupid and careless to launch that thing. Yeah, I'm not buying that either. Ok, donc apparemment il y a un missile nucléaire et il va falloir le lancer, je pense. Je peux peut-être enlever ma souris, j'ai pas le réflexe. Poser ma souris, distributeur de grog, on s'en fout. Clearly, this is a dead end. We might be spared nuclear Armageddon simply because someone forgot to put in a door. Let's hope laziness and apathy take over, and they leave the way they came in. Props where props are due. Like most vending machines, that one was protected by a 256-bit RSA symmetric key algorithm. The scientist has certainly built up some elite hacking skills, which, as I'm sure we're all about to find out, are not always used for good. Well, there's not much we can do now but sit back and watch the fireworks. And by fireworks, I mean a near instantaneous release of energy from a high-speed nuclear chain reaction of highly enriched weapons-grade uranium. Bientôt 100% orphelin. Ah oui, c'est vrai qu'on a mis le truc. Bon, en fait, ça résume ce qu'on voit. Ce qu'on voit dans les missions, quoi. Alors. Donc là, on a le missile. Avec. Un truc à fusible. Je vois pas de raison de ne pas le prendre. Ça va sans doute servir à un moment ou à un autre. Ah, j'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé à filmer. Bon, on en est plus très loin. Ok. Donc on va dire que ça fait 2 minutes. Allez. Hop, ça fait 2 minutes. On y va. Ah bah, j'ai bien fait de prendre le truc infusible. Ça permet d'avoir l'ascenseur. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais monter tout le monde. Parce qu'apparemment, en bas, il n'y a rien. Ok, donc là il va y avoir apparemment des clés ou des trucs pour des clés, je crois. Et on va falloir 3. Takodak. System override. Lower blast door is now open. So, she got that blast door open without causing wanton havoc and senseless destruction after all. I might have misjudged her. Ah, oh, bon, d'accord. En fait, j'ai fait monter tout le monde, mais il fallait pas. Blast door is now open. Oui, ok, c'est pas ça? Non, bon. Apparemment, il faut d'un son. Oui, j'ai compris. T'as un scientifique qui travaille, là? Missile launch systems engaged. Missile boosters engaged. Insert warhead to commence launch. Insert guidance system to commence launch. I fear nuclear missiles are like potato chips to her. She can't launch just one. Oui. Quelque chose me dit que c'est pas par là, hein? Non. D'accord, donc la porte inférieure s'est ouverte, mais on sait pas où.
là du coup on peut plus passer. Ouais, là, ok. On peut encore monter. Ah, ça y est, c'est ouvert. Mais en gros, il fallait attendre. Go, 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 go. Intruder! Il va falloir se dépêcher. Danger. Security safeguards have been overridden. Ok, donc j'ai quoi? Panneau d'ascenseur, clé de lancement. Bon ben, on va déjà mettre la première clé de lancement. Oh my, they're not doing what it looks like they're doing, are they? Alors là, il y a, je sais pas quoi. Missile coolant stable at minus 14 Celsius. Ok, donc on a des codes qui correspondent à des jours, apparemment. Ok. Si je pirate ça, ça fait quoi? Ça met en marche l'ascenseur, d'accord. Je continuais par là d'abord, j'ai fouillé un peu. Interrupteur d'air conditionné. Insert guidance system to commence launch. Ok, bon, bah, l'air conditionné, je sais pas encore à quoi ça sert. Donc là, on a. Je sais, ah, le truc, il nous faut le. Ok, j'imagine qu'il nous tue. D'accord, on a un singe là-bas. Ok, donc il nous tire bien dessus. Ensuite on a... Je sais pas ce que c'est ça. Insert warhead to commence launch. Don't touch that. Ok, donc il va falloir le jarter. Ok. Et là il y a un truc panneau glissant. Bon, là on a quand même des aides visuelles, hein. Enfin en tout cas c'est beaucoup plus clair que dans les autres niveaux. Donc là on a encore le truc de guidage, il y en a... Je sais pas ce que c'est là-bas, bon, on va aller voir le truc de guidage. Ok, donc... D'accord, donc je pense que le singe il faut le ramener ici. Alors, ensuite... Là c'est quoi? Je sais pas. Tableau d'affichage. Alors attends, on a... Alors les silos, je sais pas à quoi ça sert, on a un menu qui correspond à des jours. Ah, et là on avait un code, des codes qui correspondaient à des jours. D'accord. Distributeur de codes. Ok. Ah. Et là on a un système de bah, d'air conditionné du coup. On peut pirater. Voilà un microscope. On va prendre ça. Succomber à l'avidité. Ok. Upper hatch disengaged at T minus 27. Ah, et là on a un code. Ok. Incorrect code.
Ok, alors là on a un code, à 4 chiffres qui correspondent au jour qu'on avait sur le tableau, qui correspondent à un repas, apparemment, à un menu. D'accord. Plat du jour, lasagne. Plat du jour, lasagne. Okay. Ah, attends, un plat du jour, lasagne. C'est par exemple ce truc là glissant là. Je vais le foutre là. Genre là. Et je pirate. Intruder, stay away from the console. Ok, donc c'est bon pour l'ogive. Ensuite, ah bah, on a une clé de lancement, ok. Je vais la laisser sur l'ascenseur, la clé de lancement. Non, hop. Mais lâche-la. Tu veux pas la... Bon, ok. Apparemment, les clés, on peut pas les laisser où on veut. Bon, je vais remonter, hein. Bon, je trouve que c'est le fait qu'ils soient à 3 là dans les niveaux qui sont spécifiques aux personnages, je trouve que c'est pas assez exploité quoi. C'est vraiment pas assez exploité. Ah merde, oui, attends. Le tableau il était là-haut. Parce que oui, là on utilise surtout ses compétences à elle, même si bon, pirater honnêtement c'est pas très compliqué. Donc, lasagne. Merde. Oh, c'était quel jour, lasagne? Il était où, panneau? Donc, il était en bas, à la salle de repos. Donc, menu du jour, lasagne. Lasagne, c'est mercredi. Ok. Donc, mercredi. Global target acquisition phase complete. Donc mercredi 22-08. Oh ben, c'est ma date de naissance. Oui les gens, je suis né le 22 août. D'ailleurs, bon, je pense que quand je posterai cette vidéo, mon anniversaire sera déjà passé. Mais moi, en fait, là, on est le 21 aujourd'hui, le jour où j'enregistre cette vidéo. Donc demain, c'est mon anniversaire. J'ai dans l'idée de vous faire peut-être une vidéo un peu marrante, mais je sais pas, il faudrait que j'aille acheter plein de petits trucs pour vous la faire, et what? Ah. Et je me tâte, si je vais le faire ou pas. J'ai envie de vous faire une petite vidéo délire pour mes 35 ans. Ok, gaz incapacitant. Ok. J'ai capté, il va falloir venir le mettre dans la clim là. Et du coup, se servir de la clim pour endormir le mec, je crois. La clim c'était où? La clim c'était où? C'était quelque part à droite, là peut-être. Ou c'était tout là-haut? Je sais plus. Non, c'était là, ok. Ah, mais il va falloir quelqu'un en haut en fait. Ok. On va prendre un deuxième. Ok, donc... Intruder detected. Ok. Tu peux changer? J'imagine qu'il va y avoir un truc à faire avec le singe quand même.
Missile coolant stable at -14°C. Et viens. Je peux pas le ramasser, non. Ah si, on peut la laisser. Pourquoi je pouvais pas la laisser tout à l'heure? Ah, c'est sur l'ascenseur qu'on peut pas les laisser. Ok, bon, moi je vais les laisser là. Donc, ah, j'ai vu un panier de fruits en bas. Il me semble qu'il y avait un panier de fruits. Un panier de fruits. Ah, attendez, je regarde l'heure. Déjà 15 minutes. Oui, qu'est-ce que je fais? T'as pas des bananes? Ah. Oui. Donne-moi des bananes. Ah, yes. Ok. Bon, il me reste 5 minutes pour réussir à ramener le singe où il faut. Ce qui est pas gagné en soi. Faut le ramener là. Ok. Insert guidance system to commence launch. T'es bien? Tu descends? Tu viens? Ok, allez. Tu te ramènes? Ah, il est là, putain, mais je l'ai pas vu. Allez, viens. Allez, hop, va là-dedans, toi. C'est ça le système de guidage. Ok, plus besoin des bananes. Missile is ready for launch. Insert and launch keys. Missile ready for launch. Insert and turn launch keys. Launch key. Now engaged. I am become Death, the destroyer of worlds. Yeah, I read that launch somewhere. Key seems engaged. Appropriate. All systems go. Launch in T-5, 4, 3. Booster harness decoupled. Wow. 1. Go, go, go! Nuclear missile launch commenced. Estimated death toll is 100 million. Oh, ça va, une marge d'erreur de 2 millions. Pourquoi je suis pété pour 2 millions? Voilà, pour ceux qui suivent les aventures de Kerbal Space Program sur la chaîne de Freddy, voilà une petite idée. Ok, et maintenant, du coup. Quoi qu'on fait? En dessin? What we just witnessed may seem like horrific and pointless destruction, but if you step back and take in the big picture, you will surely see that the lives of 100 million people pale in comparison to being able to spelunk a little further. What's done is done. Ah ben non. Ah, ok. Bon ben je crois que hop, vu l'heure, je regarde. Je pense qu'on est atteint les 20 minutes là à peu près. Ouais, presque 20 minutes. Si mes calculs étaient bons. Quand j'ai renoté le truc. Bon ben voilà, c'était la fin pour 8ème épisode. On a fait, je sais pas comment ça s'appelle. Le missile en tout cas. Et on se retrouve au prochain épisode pour de prochaines aventures!